Voilà, je suis avec Adinar Ndaw, qui est un Sénégalais qui vit à Besançon depuis plusieurs années, qui est devenu arbitre, ancien champion d'Afrique du Sénégal. Alors, Adinar, vous êtes à Casablanca et certainement, vous avez démarré avec l'arbitrage ce matin. Comment ça s'est passé? Oui, bonjour. Donc, avant tout, je remercie la Fédération Sénégalaise de Karaté via son président El Mokhtar et remercie aussi le responsable d'arbitrage sénégalais, M. Lamine Gueye, qui nous a permis justement de pouvoir venir ici. En tout cas, j'ai envie de dire que le Sénégal est bien représenté parce que nous sommes beaucoup à faire ce stage, cet examen. Et j'espère en tout cas que tous ces efforts qui ont été fournis vont payer tout à l'heure au moment des résultats. Alors, combien de pays se sont retrouvés environ? En tout cas, il y a beaucoup de pays. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a une cinquantaine, soixantaine ou même 70. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de statistiques, tout ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de pays et ça montre que justement, on est dans une grande compétition. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de combattants aussi, cas des juniors seniors. Mm-hmm. Comment voyez la participation sénégalaise côté arbitrage? Alors, de toute façon, il faut comprendre une chose. Le Sénégal, de plus en plus récemment, ils ont eu des arbitres qui ont réussi au niveau mondial. Cela montre aussi que le Sénégal, tant au niveau combat, compétition, athlète, l'arbitrage aussi est en train d'avancer, l'arbitrage est en train de se développer à travers aussi des femmes que j'ai vues qui sont énormes, qui font du très bon travail. Donc, en conclusion, je veux dire que l'arbitrage sénégalais est en bonne voie. Oui, avec Aïcha et Mloumbé, voilà, ça, c'est ça, c'est ça. Et on est optimiste pour la suite? Mais bien sûr, on est optimiste parce que le Sénégal, c'est un pays qui gagne. Alors, on va te retrouver pour connaître les résultats justement de cet examen. Oui. Ici ce soir. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci.